Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon EDC Bushcraft. Donc, c'est ce que j'emmène toujours en sortie, en rando, en bivouac, n'importe où. Donc, c'est une petite sacoche que je porte toujours sur moi. Voilà. Et là, que je la porte tout le temps à la ceinture. Alors, elle a 3-4 pochettes. Donc, celle-ci. Une petite là. Ici aussi, qui ne me sert à rien pour l'instant. Il y en a une autre là, et là, la plus grande pochette qui est là. Donc, dans celle-ci, il y a un petit multitool, McAllister, d'accord, pas besoin de grand-chose. À l'intérieur de celle-ci, j'ai du sucre. Ben, c'est bon, ça fait du bien au moral, un peu de sucre de temps en temps. Quand on est un peu paumé, un couteau pliant, un petit couteau pliant, voilà. Ensuite, j'ai dans la grande pochette. J'ai mon petit réchaud à bois que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Voilà, que j'avais acheté sur Amazon pour moins de 15 euros. À l'intérieur, j'ai mon Fire Steel avec du bois gras. Ma cuillère en bois que j'ai réalisée dans du boulot. Voilà, celle-là, elle a, je crois qu'elle a 3 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Toujours dans mon petit sac, dans ma sacoche. Au cas où je dois évacuer de nuit d'urgence, j'ai la lampe frontale de chez Decathlon. Un paquet de mouchoirs. On sait tous à quoi ça peut servir. Bon, il y en a qui utilisent des feuilles, bon, pourquoi pas. Ensuite, et voilà, pour terminer, j'ai des gants. Ben, les gants utiles si on a un petit peu froid et puis si pour plein de choses. Voilà. Pour terminer, ben, j'ai mes documents, mes papiers à l'intérieur. Dans une petite pochette que j'ai réalisée avec du cuir que j'ai trouvé sur un canapé dans la rue. Voilà. Tout simplement. Petite précision aussi, l'étui du couteau, je l'ai réalisé dans un canapé. Enfin, pas dans un canapé, j'ai récupéré du carton, du cuir, quoi. Voilà, sur un vieux canapé. Voilà. Tout simplement. Donc, petite EDC Bushcraft qui peut être utile. Ben, en cas d'urgence, juste une bonne sortie, j'ai ça avec moi et puis voilà, c'est tout. Si je dois partir urgemment, je laisse mon sac, toutes mes affaires et puis j'ai juste ça sur moi, hop, j'ai pas besoin d'autre chose. Après, pour le reste, cordage, tout ça, on trouve tout ce qu'il faut dans la nature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi. Voilà, au revoir, à bientôt.